Devant la façade, les vélos sont de retour. Et la déco de Pâques est en place. Bonjour. Oh, monsieur Richard. 8 mois après sa fermeture, la boucherie de Souffle rouvre ses portes. Baumann a tiré sa révérence. Mechling prend la suite. Deuxième jour d'ouverture, encore quelques détails à peaufiner et une suite à assurer. On essaye de faire du Mechling avant toute chose, voilà, avec ce qu'on sait faire à Reichstätt, ce qui fonctionne à Reichstätt et à Schiltigheim. Et puis on y rajoute un petit peu de Baumann pour reconquérir les clients qui allaient chez Monsieur Baumann fut un temps. Donc ouais, je pense que le mariage peut être pas mal. 32 ans de fidélité à Baumann pour cette dame, 62 ans pour ce monsieur. Après quasi un an de fermeture, ils retrouvent leur commerce de proximité. On a fait autre chose, mais maintenant qu'on est dans le village, il faut nouveau, effectivement faire travailler le commerce. Exactement, surtout dans le village, c'est vrai qu'on en a besoin. Les commerces de proximité qui vendent des produits locaux, pour moi, c'est important. Si c'est juste à côté de chez moi, je préfère. C'est l'occasion de rencontrer des gens aussi, et puis c'est le côté pratique. Hein, c'est surtout ça qui importe. Depuis 120 ans à Reichstätt, depuis quelques jours rue des Ormes, Mechling, de père en fils, démarre une nouvelle aventure. À Souffle, une grande famille de bouchers succède à une autre, une garantie de qualité.